Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous d'entrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football. On a commencé dans le pays l'Espagne avec Junior Saar, bon côté FC Barcelone qui fait qu'on a que mettre liste indésirable dehors et supposé quitter l'équipe là. Pour aller bon côté équipe Real de Madrid, côté un nouveau numéro 9 dans l'équipe Real de Madrid, toujours a fait actualité selon Junior Saar. Et bon côté par Ligue 1, Junior Saar lui-même qui vient sous Alex Tejes qui quitte l'équipe Manchester United là pour abréger l'équipe FC Séville là. Pour aller connaître notre Ligue des Champions barrage côté équipe Benfica de Lisbonne arrivé imposer le 4 goals à 1 venir avec réaction la presse pour bon côté par le pays l'Angleterre de ses Cristiano Ronaldo a toujours à continuer faire la une dans la presse notamment avec sortie qui t'a supposé faire pendant semaine ça. Nous parlons également dans le pays l'Italie avec Jonas Sa qui vient sur dossier Wijnaldum lui-même qui pourra débarquer une équipe AS Roma et qui t'a supposé officialiser dans prochaine heure. Et bon côté par le dossier Paul Pogba également qui était blessé et mais il fait la une dans journal ça avec situation actuelle li. C'est une vidéo qui gagne pratiquement tout ça qui a dominé actualité football en a tourné après pause là pour nous donner tout le détail pour. On va commencer avec Ubrick Mercato en image côté Charles Decatel définitivement li quitté équipe Bruges dans pays Belgique pour signer avec équipe AC Milan. Mais si on dit qu'il a avoisiné les 36 millions d'euros et mais il signe jusqu'en 2027 avec les Rossoneri. Bon côté par le gain Ben Leno lui-même qui officialise le contrat avec l'équipe Fulham en provenance de l'équipe Arsenal là. Toujours un transfert qui officiel le gain Mattia qui quitte l'équipe Empoli dans le pays l'Italie pour rejoindre l'équipe OGC Nice dans le pays la France. C'est désormais officiel et bien gain Sanchez qui va rejoindre l'équipe Paris Saint-Germain côté international portugais lui-même c'est l'altevle à déposer Valisli. L'équipe Paris Saint-Germain Junior entente avec l'équipe Lille à la hauteur de 15 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, Alex Tejes lui-même supposé débarquer dans l'équipe FC Sevilla. Et bien, Junior entente avec l'équipe Manchester United là pour qu'un international brésilien soit en forme de prêt sans option d'achat. On commence la vidéo presse en Amérique du Sud là avec compétition continentale qui tape. Je voulais parler de Sud-Amérique avec Copa Libertadores. Bien, dans Sud-Amérique, il y a National de Luis Suarez même qui a joué face avec Atlético Goianiense qui perd du 1-0. Le journal Observador, c'était en fait qui était incomplet puisque malgré le début de Luis Suarez dans l'équipe, il est arrivé à tomber la caille 1-0. C'est même défaite ça, tout qui fait là une journal El País qui fait qu'on est question défaite qui fait très mal avec l'équipe nationale là. En effet, c'était le quart de finale qui a joué un match tout là qui va gagner pour faire dans le pays Brésil et qui déjà annoncé la couleur. Et nous parlons dans Copa Libertadores là également pour souhaiter un duel 100% brésilien entre Corinthians avec l'équipe Flamengo. Hein. Le journal Extra lui-même qui vient sous victoire Flamengo pour le faire connaître que, eh bien, Malvadan ou América, c'est Flamengo puisque tu as une prestation de gala et arrivé gagner 2-0. Et bon côté par les journal ça lui-même lui fait connaître que, eh bien, c'était une promenade pour l'équipe Flamengo dans le terrain équipe Corinthians. Hein. Mais pour rappel, l'équipe Flamengo a lui-même qui parle gagner pour faire match retour à la caillou dans la ville Rio de Janeiro. Et qu'on y a nous parler dans le pays Portugal avec le journal Abola lui-même qui retourne sous belle victoire équipe Benfica à domicile contre l'équipe Benjiland. Le journal là qui fait qu'on est que ça, c'est un bagage pour bailler de l'eau dans la bouche. Et bien avec un hat-trick de Gonzalo Ramos, équipe Benfica lui-même qui veut imposer le 4 goals à 1 à domicile. Et si après phase ça que a joué là, il y a un autre match encore, il y a une autre phase pour qu'a joué les playoffs. Et mais le journal ça lui-même qui fait qu'on est que les Aigles qui a joué dans l'autre galaxie et qui est en gain un pied dans dernier playoff là. Et bon côté par le journal au jeu lui-même lui fait qu'on est une victoire qui déjà acquis un gros pas en avant mais c'est pour toute bagarre qui fait puisque dans le match tout là l'équipe Midland qui va jouer à domicile Emilika va tenter pour revirer tendance là. Le journal a tout qui souligne prestation nouveau venu, nous voulons parler de David Neres et surtout Enzo même qui te bypass décisive. On parle toujours dans le match de gain de ces Ligue des Champions barrage côté équipe Monaco a fait un goal partout face avec l'équipe PSV Eindhoven. Le journal l'équipe est retourné sur match ça pour le faire connaître son Monaco sur sa fin. Le journal là qui a les punaises pour le dire dans la foulée du but égalisateur d'Axel Disasi, l'ASM a poussé pour s'imposer dans les dernières minutes et a même frappé le poteau. Le match retour mardi prochain à Eindhoven s'annonce très délicat. Sur match ça dans le pays la Hollande, le journal Sport Verde lui-même qui réagit pour le faire connaître que c'était un match nul sur le fil que l'équipe PSV Eindhoven n'a racheté en déplacement. L'équipe là qui parle gagner pour le montrer au plus haut niveau s'il voulait pour grave espérer jouer barrage Ligue des Champions et qu'on s'est qualifié pour phase de groupe. Yo. Il a toujours été dans le pays la France avec le journal l'équipe lui-même page intérieure qui fait connaître que Renato Sanchez débarque au Paris Saint-Germain. C'est une équipe Milan qui était intéressée avec l'international portugais également, mais lui-même l'ITV pour qu'il joue dans l'équipe Paris Saint-Germain. Hein? Mais c'est chose faite puisque l'équipe Paris Saint-Germain Junior entente avec l'équipe Milan à la hauteur de 15 millions d'euros. Et nous avons toujours été dans le pays la France avec le journal Sali même qui fait qu'on est Wijnaldum tout proche de l'AS Roma, opération en cours de finalisation. En passe d'accueillir Renato Sanchez, le Paris Saint-Germain devrait prochainement enregistrer le départ de Jorginho Wijnaldum.
D'après Scalitalia, un accord est tout proche entre le club de la capitale et l'AS Roma concernant le Néerlandais. Les modalités de l'opération restent inconnues. Juste avant que nous venions dans la vidéo, ça a quitté un point de temps pour nous remercier tout le monde qui a mis un like en bas de la vidéo, tout le monde qui a partagé la vidéo, ça, ou même qui peut trouver ça qui soit obtenu. Cliquez sur la petite flèche en bas de la vidéo pour nous aider à nous partager le travail. Ça. Fait que je suis ensemble avec nous sur YouTube, là, invité pour que vous cliquez sur le bouton inscrire à la vidéo à Kounia pour que vous abonnez et activez la notification, mettez sur tout. Le qu'on fait ça chaque jour pour se voir toute sa cap dominée actualité football là, résumé goal avec ce pas de connaître de jeu football. Donc, allez, Kounia dans le pays de l'Angleterre avec Journal ça qui fait qu'on est que un pile superstar a blâmé l'équipe Manchester United là. Allez, regardez Henderson lui-même qui s'est emporté dans l'équipe si là qui était joué un pile promesse pour te rester dans l'équipe là et jouer numéro 1 dans l'équipe là, mais ça pas jamais arrivé. Bellingham qui fait qu'on est vraiment fâché sur Manchester United parce qu'il a gaspillé des années dans la carrière. Pour rappel, Henderson qui est nouveau porté équipe Nottingham Forest là, qui monte en première division. Mais ça qui plus intéresse nous sur journal ça, c'est dossier Cristiano Ronaldo qui toujours a fait actualité bon côté Manchester United. Journal là qui fait qu'on est que Eric Ten Hag capable décider pour mettre Cristiano sous banc, ça qui t'a provoqué colère bon côté international portugais. Hein? Pour le premier match Manchester United pendant la saison, ça, Eric Ten Hag a pensé pour mettre Cristiano Ronaldo sous banc pour lui-même, ça a une humiliation pour lui. Mais Cristiano qui pas prêt pour le prendre humiliation ça et surtout les fanatiques qui prennent siffler dans le stade là et me t'a demandé pour quitter l'équipe là avant dimanche selon un pile journal. Nous parlons que dans le pays l'Italie avec le journal Tuto Sport hier qui était venu sous dossier équipe Juventus de Turin avec l'autre joueur qui a débarqué pour renforcer l'attaque. Le journal là qui vient avec un pourcentage des joueurs qui a probable pour venir côté Morata qui a 20% pour le venir dans l'équipe Juventus de Turin et Mertens qui a 25% même avec Muriel qui a 25%. En attendant Paul Pogba lui-même qui prend décision pour ne pas opérer et mais il pourrait passer environ 35 jours sans pas jouer dans l'équipe Juventus de Turin selon le journal ça. Et bien après examen international français a été fait dans le pays la France et bien il voit que il est capable toujours été fait 35 jours sans pas jouer avec Juventus et après ça pour reprendre le football. Mais quand même c'est un bar qui risque mais Paul Pogba lui-même qui pas voulait opérer au cas où pour ne pas rater le mondial avec la sélection française là. On a toujours été dans le pays l'Italie mais cette fois c'est dans la ville Milan avec le journal Papier Rose là qui fait qu'on est que Derby a fait 90. En effet, deux internationales belges jouent dans l'équipe Milan AC et l'autre la ligne qui peut jouer dans l'équipe Inter de Milan et mettre tous les deux pour gagner pour porter 290. Mais Charles Decatelier lui-même qui officialise le contrat avec l'équipe Milan AC qui paye 2,5 millions d'euros pour y par année et qui signe un contrat de 5 ans avec l'équipe ça. Et c'est l'officialisation Pépite Belge qui fait la une dans le journal Courrier de le Sport également qui mettait à la une un contrat de 5 ans et 2 millions d'euros par saison. Decatelier lui-même qui fait déclaration pour faire qu'on essaie une émotion pour qu'on signe dans l'équipe Milan AC. Le pays l'Espagne a commencé avec Estadio Deportivo dans ville Séville qui fait qu'on est une révélation pour l'équipe FC Séville. En effet, journal là qui fait qu'on est que l'équipe Tottenham qui pas de bail facilité pour négocier avec et bien joueur ça qui se Reguilon et mais définitivement c'est pour Alex Tejas qui va venir comme latéral gauche dans l'équipe si là. Monsieur le journal ça lui-même fait qu'on est que l'équipe FC Séville avec Manchester United Union accord avec une option d'achat pour Alex Tejas. Il y a un journal ASNEM qui fait qu'on est que Mayoral li aller dans l'équipe Getafe à côté au débourser 10 millions d'euros par équipe Real de Madrid là. Journal là qui fait qu'on est que l'ici en 2027 et bon côté par gain Mariano lui-même qui c'est objectif pour l'équipe Celta de Vigo. Mais après sortie Mayoral la gain journal à Jordi Alba qui mettait à la une l'épreuve du 9. Le journal là qui fait qu'on est que Carlo Ancelotti qui d'accord avec Real de Madrid pour pas recruter aucun numéro 9 pendant Mercato là. Malgré que Mayoral est sorti et mais Ancelotti qui confirmait que Eden Hazard lui-même qui prend le remplaçant pour Karim Benzema. Mais Asensio avec Rodrigo également pour faire des rentrées en jeu et mais ça qui pour faire que Real de Madrid pas besoin d'acheter numéro 9. Et mais c'est pas sans raison puisque au coin en tête et mais le journal Marca il fait qu'on est que Real de Madrid c'est one en finale yo. En effet, équipe Real de Madrid là qui pourra gagner pour croiser le fer avec équipe Eintracht Frankfurt là le 10 août qui pourra venir dans la Super Coupe d'Europe. Le journal là qui vient avec des statistiques pour faire qu'on est que depuis 2014, équipe Real de Madrid là qui gagne 16 dans 18 matchs décisifs que vous jouez. Et pas aucun club en Europe qui fait mieux que Real de Madrid. On va aller qu'on a bon côté journal ça lui-même qui vient avec une opération de sortie bon côté équipe FC Barcelone. En effet, il y a Minguenza selon le journal ça qui est en signé jusqu'en 2026 avec équipe Celta de Vigo. Bon côté par Ricky Puig lui-même avec agent déjà à négocier avec Los Angeles Galaxy pour qu'il y ait un accord pour international espagnol là qui a débarqué dans le pays les États-Unis.
Memphis Depay bon côté parle déjà d'accord que le Pape gagne tant de jeunes équipe si là et mais chercher une porte de sortie également. Et journal là qui en fait qu'on que Memphis Depay qui capable jouer une carte de liberté dans mes équipe FC Barcelone pour capable quitter comme agent libre. Et bon côté parle gagne Frenkie de Jong que équipe Chelsea a été très attentif avec situation puisque international hollandais a priorisé les Blues au lieu de équipe Manchester United là. Dossier transfert bon côté FC Barcelone fait là une dans journal sport également qui fait qu'on que avec sortie Frenkie de Jong et Bernardo Silva qui capable venir dans équipe FC Barcelone là. Journal là qui confirmé que Chelsea qui commençait à négocier mais avec FC Barcelone qui demandait 80 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Mais au cas où de Jong lui-même quittait, et bien Bernardo Silva qui pourrait débarquer dans le camp nous pour jouer pour FC Barcelone. C'est donc un plaisir mesdames et messieurs pour nous déporter tout ça qui a dominé l'actualité pour nous espérer que vous avez déjà partagé vidéo ça. Mais si vous pouvez qu'on fait ça juste avant, allez aider nous partager vidéo ça. C'est la seule façon où cap et de travail arriver plus loin que possible. Nous quittons avec verset ça que nous jouons dans somme premier verset premier qui dit à la bon sabon pour monde qui pas coûter conseil méchant yo, qui pas suivre exemple monde qui a fait ça qui mal, qui pas chita ensemble avec monde qui a passé bon Dieu dans bêtise. Mais fais un petit réfléchir sous parole ça, ok mon Dieu bénisse chaque monde qui t'a regardé vidéo ça.